Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne qui veut apporter l'information pour aider ceux qui veulent entreprendre en Afrique et plus précisément au Congo-Kinshasa. On espère que vous allez bien car nous de notre côté nous allons bien grâce à Dieu. Une vidéo aujourd'hui pour partager avec vous une découverte que j'ai faite. En fait, il y avait un abonné qui m'en avait parlé, mais j'avais également pu découvrir cette concession il y a quelques années, mais j'avais jamais fait de vidéo dessus. Et là, je m'étais dit que ça pouvait être intéressant de la faire pour ceux qui connaissent pas cette concession à Kinshasa, donc UTS Africa. Donc là, au début de la vidéo, tout le long, vous allez voir comment cette société a été construite par la société d'Ematco. Ils ont mis en place une vidéo pour montrer l'évolution des travaux. Et vers la fin, vous allez avoir carrément, vous allez voir la concession finie avec les habitants qui témoignent en fait de la vie sur place. Et c'est, en fait, c'est des genres de choses que beaucoup de personnes de la diaspora recherchent actuellement parce que beaucoup ne veulent pas rentrer dans la construction, l'achat des terrains parce que c'est prise de tête. Ils veulent déjà quelque chose de fait. Donc, UTX Africa propose une concession où il y a déjà des logements. Mais par contre, là où j'ai pas réussi à trouver l'information, c'est de savoir s'ils vendent leur maison ou c'est juste en location. Pour l'instant, la location, je sais que c'est sûr, mais la vente, je ne suis pas sûre. Vous allez voir le cadre dans lequel les gens sont, c'est vraiment magnifique, ça donne envie. Franchement, je me suis dit, s'il y a possibilité d'avoir une petite maison, un appartement à UTX Africa, je prends mes clics et mes claques, je vais habiter au Congo. Mais je pense également que les loyers doivent être quand même bien chers parce que c'est quand même une concession avec piscine et toutes les commodités qui vont avec et la sécurité. Et on voit que vous pouvez vous balader, les enfants peuvent jouer en toute sécurité. Chose à Kinshasa, te balader tranquille, courir et tout. On a un peu de mal à faire ce genre de choses. Alors là, on a vraiment une concession qui vous permet d'avoir une vie saine, en fait, au cœur de Kinshasa. Et c'est le genre de choses qu'on encourage les promoteurs immobiliers à mettre en place. Il suffit pas juste de vendre des terrains aux gens, de vendre des terrains et ensuite de pas donner d'informations, de ne pas communiquer, mais c'est de vraiment mettre en place un cadre de vie saine pour les personnes de la diaspora ou même les Congolais qui sont sur place et qui veulent en fait avoir un cadre de vie propre, sain, où ils vont s'épanouir. Donc je vous laisse visionner la vidéo qui est vraiment hyper intéressante. Moi personnellement, en regardant ça ce dimanche matin, je me suis évadée. C'est avec la vue sur le fleuve Congo, toute cette verdure, je me suis vraiment évadée en regardant ça. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous connaissez des gens qui habitent déjà dans cette concession? Qu'est-ce qu'ils en pensent? Et voilà, donc si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un like, à partager. Je vous ai mis dans la barre de description un numéro de téléphone que j'ai trouvé par rapport à la location dans la concession à Kinshasa. Et on a également envoyé un email pour voir s'il y avait possibilité de pouvoir nous-mêmes, quand on sera sur place, aller visiter et voilà, et donner également les prix. Donc si on a toutes ces informations-là, on fera une nouvelle vidéo pour vous dire à peu près combien ça coûte de pouvoir louer ou acheter à la concession UTX Africa. Bon visionnage à vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous également et de vos familles. Et n'oubliez pas un petit like et le partage. Au revoir. UTX, on aime la sécurité, la convivialité entre voisins. The family likes UTX. It's the space, it's the facilities, of course the housing and where we actually live. On dirait qu'on est dans un petit quartier, les enfants y jouent, tous les enfants se connaissent. It's a great community to live in Kinshasa. Ça se situe en plein centre-ville, ce qui est pour moi facile pour aller à l'école avec les enfants, tout comme aller au travail. On aime ces coins paradisiaques comme le fleuve. C'est une zone de verdure qui longe notre majestueux fleuve Congo. It's like an oasis in an ocean of chaos. Tout le monde connaît la concession UTX Africa. C'est une référence en matière de location résidentielle haut de gamme dans la ville. C'est le lieu prisé des cadres et des fonctionnaires internationaux. La concession UTX Africa, sa priorité est le bien-être de ses occupants. Donc nous avons 400 familles en permanence logées sur le site, ce qui représente environ 1000 personnes, 35 nationalités qui se côtoient.
Nous sommes dans un environnement professionnel qui est extrêmement compliqué. Et donc l'objectif pour eux est de préserver et de couvrir l'ensemble des champs de la vie quotidienne et que tous les tracas liés à cette vie quotidienne soient maintenus à l'extérieur et pris en charge par nos équipes. Lorsque vous arrivez dans cette concession, vous vous sentez détendu et vous vous libérez de ces tracasseries de Kinshasa et vous n'avez pas de soucis quotidiens. You've got all the facilities that you need. You don't have to worry about power. You don't have to worry about water. You don't have to worry about security. Quand on est arrivé ici, on a vu les parcs. On a vu qu'on pouvait marcher et faire des balades, qu'ailleurs c'est pas possible. Un outil important, essentiel dans ce concept est la sécurité, parce qu'il faut évidemment préserver ce cadre privilégié, préserver la sécurité des enfants quand ils se déplacent en vélo, à pied, de l'un chez l'autre. Vous pouvez vous promener en toute liberté, en toute sécurité. You can rest assured that your child, when they walk out the front door, will see friends, hang out with friends and have a good time and will be safe whilst they're doing it. Jusqu'à 18h, ils sont chez les amis en train de sauter, de courir, ils sont au parc, ils font les tours de fleuve. I mean, one of the most amazing things about being here and having children is that when the children are out and playing and running around, the guards actually know who they all are and actually where they live and call out to them by name and make sure that they're also stay out of trouble and don't get in front of a car that happens to be passing by. I mean, it's a very safe place for children. Et donc cette sécurité, on essaie d'être qu'elle soit la plus efficace possible, mais également la plus discrète possible. L'objectif n'est pas de se vivre dans un camp retranché, mais dans un environnement qui est le plus ouvert par rapport à l'extérieur. Et en guise de bienvenue, imaginez-vous, vous êtes accueillis par un balai naturel, des ficus, des baobabs, des flamboyants. L'espace est très calme. Vous vous retrouvez en pleine tranquillité d'esprit. Cet espace nous aide aussi à nous débarrasser de tous ces soucis quotidiens. The space that you have and when you're moving around, you just feel free, you can breathe. Faut marcher quand même quelques kilomètres en rond dans la concession. I think it's an amazing place to have the Congo River right next to the concession. J'adore ce fleuve. On se sent ailleurs. On se sent en vacances. I mean, when I got here with my family for the first time, we went for a walk over there and they were actually incredibly amazed that that was the Congo River. It's a piece of history, it's a piece of nature, it's one of the wonders of the world, and it's the fact that it's right on your front door almost is an amazing thing. On se sent privilégié ici. There's a lot of facilities and there's a lot of activities here. I mean, you have a cultural center that's like 500 meters just there, even less. Vous avez des activités sportives. On fait des groupes pour marcher, on fait la samba. Il y a la samba, la salle de sport. Il y a aussi une grande piscine où nos enfants s'amusent super bien. There's tennis courts. They've also built a brand new state-of-the-art gym, which is it's a super place for people to go and work out. Vous avez une grande plaine des jeux totalement refaite pour les enfants. UTEC's activities are not really forced upon you. You can pick and choose about what you want to do. Vous avez un bar, vous avez un lounge, vous avez un restaurant qui vous offre un service très chaleureux. Les gens viennent manger avec leurs voisins, ils s'amusent, ils se parlent, ils prennent un verre. C'est vraiment comme à la maison en fait. Le cadre est très idéal, surtout pour les parents pendant qu'ils sont en train de manger. Les plus petits se jettent dans l'eau. Il y en a qui apprennent à nager pendant ce temps avec les coachs que nous avons sur place. Nous avons des brunchs tous les dimanches où les gens viennent en famille. Pendant la semaine, les résidents passent aussi autour d'un business lunch. Les cocktails dînatoires, c'est aussi un bon cadre pour des conférences et des cérémonies d'anniversaire, même des cérémonies de mariage aussi. Il y a aussi comme ça des événements chaque mois, on fait un barbecue. Tout est mis en œuvre pour créer du lien entre les différents membres de la communauté à travers différentes activités que nous proposons toute l'année. Je pense à UTEC Halloween. Nous avons la chasse aux œufs, nous avons la soirée Noël qui est vraiment agréable pour les enfants. Il y a un groupe WhatsApp, on est informé de tout ce qui s'est fait, de tout ce qui va se prévoir. Tous les fins de mois, on se retrouve à la piscine, à la pool house pour partager nos moments, pour partager un verre entre voisins, entre collègues. I mean, we don't even think of it as a concession, actually. It's a community. It's a community of people. People are very friendly. You go around exercise in the morning, people are always saying good morning or good evening. On bavarde avec les voisins qui ont un chien. It's very easy to make friends. There are so many different
kinds of people here from all different kinds of walks of life. Vous avez aussi cette ambiance familiale envers les voisins. On se fait des amis, on marche ensemble, on fait des sports ensemble. It's a really family-friendly community. Vraiment, on est super content de UTEX, d'habiter ici dans ce cadre merveilleux. On est super content. It's just a great place to live.